Comment allez-vous, ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ah, ça va, voilà. Mais c'est normal, je vous comprends, c'est normal. C'est vrai, le matin, à peine on se lève, putain. Enfin, on allume sa télé, on allume son ordinateur, on allume son téléphone, on allume un peu ce que vous voulez. Et là, mon ami, tu te prends une avalanche de mauvaises nouvelles. Oh, putain. En plus, t'es pas prêt. Tu viens de te réveiller, t'as vu, t'es là, t'es tout boursouflé. T'es comme ça, t'es encore un pied dans le monde des endormis, mais pas encore un pied dans le monde des réveillés, t'as vu. Et comme ça, t'as les doigts, ils sont tout boudinés. On dirait que tu as 10 ou 6 de Strasbourg à la place des doigts. T'as la laine, on dirait que t'as la laine d'un cheval malade, t'as vu ou pas? T'as l'impression d'avaler une pantoufle, t'as la bouche sèche. T'es là, t'es tout mou comme ça. Enfin, tout mou. Sauf lui. C'est pas, je suis jusqu'au début, tout ça, c'est pas juste pour attirer un rire et tout. Non, c'est de la science. C'est pas pourquoi, te réveilles le matin, autant toi, tu n'as pas encore bu le café, tu n'as pas pris la douche, lui, il est prêt, il veut partir. Il dit, oh, tu vas. Autant le soir, quand tu le regardes, tu as toujours l'impression qu'il cherche quelque chose par terre, tu vois. Autant le matin, il est plus en forme que tes urinaires. Et donc, c'est dans cet état que tu allumes donc ton téléphone, ta tablette, ta radio, ta télévision. Et là, tu te prends une avalanche de mauvaises nouvelles que tu déboursoufles d'un coup. Tu sais. Et même si tu es de nature optimiste, comme moi, à la fin, tu es impacté. Impacté, pour ceux qui sont allés à l'école jusqu'au portail, comme moi. Oh, moi, j'ai pas honte, je vous dis la vérité. Tout ce que je vous raconte dans le spectacle est absolument vrai. Hein. Je vous dis la vérité, moi, j'ai redoublé mon CE1 et mon CM2. Du coup, après, je suis allé au collège en voiture. Donc, impacté, pour ceux qui ne savent pas, c'est un verbe du quatrième groupe. J'impacte, tu impactes, il impacte, nous empaquetons, nous empaquetons un peu. Entre toutes ces grèves, ces hommes politiques qui disent tout et leur contraire, les doutes sur l'Europe, tout ça. Putain, j'entends des mots même que je croyais à jamais tomber dans le livre d'histoire. L'autre fois, j'ai entendu à la télévision qu'il y avait la peste au Yémen. La peste, le choléra au Sri Lanka, des pirates au large de la Somalie, des pirates en 2020. Mais d'où ils viennent? Ils se sont évadés d'Euro Disney ou quoi? On nous fait peur. Quand on nous parle, on voit les grèves, les gilets jaunes, tout ça, ici et là. Et là encore, ça va, nous, à Marseille, on n'a pas trop de rond-points. Là, les gilets jaunes, c'est pas, vous êtes normal, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils ont raison, c'est nous les gilets jaunes, on est là. On dit, faites attention, tout ça, parce qu'ils nous font peur, le climat et tout. C'est de là où est parti les grèves, le bordel. On dit, oui, attention, les voitures de chez elles, ça pollue, tout ça, ici et là, il faut pas les prendre et tout. Et là, moi, je vais travailler, alors ferme ta gueule. Alors, du coup, ils nous ont dit, parce que maintenant, vous avez vu la météo, de plus en plus, on nous parle de météo, on nous fait peur avec ça, putain. Avant, on était tranquille, maintenant, ils nous disent, alors ouais, parce que du coup, avec la chaleur, du coup, ça va faire fondre les trucs et tout. Moi, je me rappelle, avant, quand j'étais gamin, je me rappelle quand on regardait la météo, vous vous souvenez ou pas? Ça a duré 2 secondes, la météo, à la télévision. Je me rappelle, t'avais le mec, des fois, même le présentateur du journal télévisé, il oubliait de la présenter, la météo. Il disait, oh putain, attendez, j'ai oublié, excusez-moi. Voilà, derrière, il se tournait, tu avais une carte de France, j'avais l'impression que c'est son fils qui l'avait dessiné pour la fête des pères. Alors, il fait froid, en bas il fait chaud. Hein, merci, au revoir, à demain. Aujourd'hui, ça dure 2 heures la météo. Avant le journal télévisé, après le journal télévisé.
Ça dure 20 minutes, on a peur, on regarde la météo, on est comme ça. Il y a des flèches de partout, ils nous disent, oh putain, les cyclones, les anticyclones, oh là là. Heureusement, il y a l'autre des Açores, il nous protège. Merci du des Açores, je ne le connais pas, mais... On a peur, putain. Il y a même une chaîne météo. Il y a une chaîne météo qui diffuse la météo à la télé 24 heures sur 24. Moi, le matin, quand je me lève, je regarde la chaîne météo à la télévision. Alors que j'ai une fenêtre, putain.